Bonjour, je m'appelle Charlie et je suis vendeuse chez Bricolo, le magasin de bricolage où... Bien joué, vous avez trouvé Charlie. L'art du camouflage est indispensable pour un bon vendeur dans un magasin de bricolage. Parce que mieux vous vous cachez du client qui vient vous poser des questions compliquées, plus de chances vous avez de survivre dans ce milieu. Bonjour, je voudrais savoir comment a été fait ce pas de vis, ces filières manuelles, tarot ou tour. Qu'est-ce que je vous disais? Je vous vois là. Ceci est la technique dite du caméléon, qui permet d'éviter le client tout en l'observant. Ceci est la technique du guépard. Le secret, c'est de ne pas s'arrêter jusqu'à la fermeture du magasin. Et enfin, la dernière technique dite du renard, le mensonge. Excusez-moi, est-ce que ce forêt à mandrin SDS, je peux l'utiliser avec ma perceuse ou il me faut vraiment un perforateur? En fait, je suis pas du rayon, monsieur, je connais pas les machines. Mais vous avez une perceuse dans la main? C'est pas une perceuse, je suis handicapée, c'est mon bras artificiel. Et c'est vraiment pas gentil de se moquer. C'est pas étanche, c'est pas étanche, c'est pas étanche. Lui, c'est David. Il s'est fait piéger l'an dernier par un client qui lui a posé des questions sur les joints étanches de baignoire. Sale histoire. Ça fait partie des risques du métier. Et ça, c'est Maurice, le vendeur le plus ancien de chez Bricolo. Ça fait 10 ans qu'il est caché. Certains disent qu'il vit dans les rouleaux de laine de verre, d'autres disent qu'il est au rayon des compteurs électriques. Moi, ce que je dis, c'est que Maurice, c'est notre idole à tous. Voilà ce que je dis. C'est pas étanche! C'est pas étanche! C'est pas étanche!